Vainqueur de 3 de ses 4 derniers matchs, Grenoble 3ème est toujours dans le coup pour l'accessible direct à la Ligue 1 Uber Eats. Et pour espérer le plus longtemps possible, les hommes de Philippe Hinsberger vont essayer de performer face à Amiens, 9ème, distant de 8 points sur les places pour les playoffs. Le GF 38 reste sur 2 victoires consécutives, 2 buts à 1 face à Guingamp, puis 1 à 0 au Hainaut face à Valenciennes lors de la dernière journée. Le coup de pied arrêté pour les Grenoblois avec cette remise de la tête. Ça passe au-dessus du but gardé par Régis Gürtner. Les Amiénois, eux, ont fait match nul 0 à 0 face à Caen et veulent retrouver le chemin des filets. Ça ne sera pas sur cette situation avec le capitaine Alexis Blin. Grenoble essaye de mettre le pied sur le ballon et de jouer dans le dos de la défense amiénoise avec cette alerte pour Ravet. C'était astucieux, mais même s'il était hors de position, Régis Gürtner arrive à se détendre et à effleurer ce ballon du bout des gants. 0 à 0 toujours. Grenoble passe par les côtés avec ce centre de Loris Neri, repris par Jesse Benet. Les idées sont là, les initiatives aussi pour les Grenoblois, mais le cadre n'est pas régulièrement trouvé. C'est bien pensé encore une fois du bout du pied de la part de Jesse Benet. 0 à 0 à la pause entre ces deux équipes, toutes deux éliminées en 32e de finale de Coupe de France dans la semaine. Défaite 1 à 0 face à un Monaco remanié pour Grenoble. Et Amiens s'est incliné 2 buts à 1 face à Metz. Les hommes d'Oswald Danchot qui essayent de répondre, mais les tentatives sont assez timides. La frappe d'Audet sans problème pour Esteban Salès, toujours dans les buts en l'absence de Brice Maubleu. C'est la 3e titularisation de suite, toute compétition confondue pour Esteban Salès. Toujours pas de but donc dans cette rencontre, plutôt équilibrée en termes de possession. 5 tirs à 4, un cadré de chaque côté. Et à la 92e minute, les esprits vont un petit peu s'échauffer avec Achille Anani qui va écoper d'un carton rouge. Un Ivoirien qui était entré un quart d'heure plus tôt. On va en rester là, 0 à 0 après 2 victoires d'affilée. Grenoble freiné, perd une place et se retrouve 4e. Amiens 8e, enchaîne un 2e score nul et vierge. Un rythme insuffisant pour se rapprocher des playoffs.